Donc on a une politique de l'habitat sur l'agglomération, avec notamment des aides financières pour accompagner les propriétaires qui réalisent des travaux dans leur logement, avec notamment une volonté de redynamiser le cœur de ville de Mont-de-Marsan, et puis également des aides principalement à la rénovation énergétique et à l'adaptation des logements au handicap sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et donc des 18 communes. Viennent nous voir pour avoir à la fois des conseils techniques sur le type de matériaux et sur les travaux engagés dans leur logement, et on les renseigne également sur les aides financières qui peuvent être mobilisées dans ce cadre. Donc à la fois les aides à l'amélioration de l'habitat sur les travaux, mais également le crédit d'impôt par exemple et d'autres aides diverses. Donc la rénovation énergétique de l'habitat pour réaliser des économies d'énergie s'appuie sur plusieurs choses. Donc il y a un volet travaux, amélioration de l'habitat par les travaux, et il y a également un volet éco-gestes. Donc c'est comment bien s'approprier le logement et réaliser des éco-gestes qui généreront également des économies d'énergie. Donc dans ce cadre, un concours famille à énergie positive est mis en place sur le Mont-de-Marsan agglomération. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les familles pour réaliser les gestes qui généreront des économies d'énergie. Donc parmi les éco-gestes qui peuvent générer des économies d'énergie, on peut citer par exemple la nécessité d'aérer son logement au moins 5 minutes par jour, été comme hiver. Également, couper systématiquement l'éveil de tous les appareils, dans le choix des appareils également lors des achats. Voilà, il faut veiller à acheter économe et sur des étiquettes plutôt A.